m'a dit que vous étiez un meilleur ouvrier de France. Ah, dites-moi pourquoi. C'est un grand parcours ? Très grand parcours, oui. Depuis, j'ai eu mon titre en 1989. Et donc, ça s'est fait tout simplement avec les années d'ancienneté, avec d'apprentissage. Donc, je suis présenté au concours des meilleurs ouvriers de France et je l'ai eu donc en 1989. Après bien des péripéties et avec l'expérience que j'avais déjà acquis à ces années, ça m'a permis de voir à quel niveau que j'étais, quoi. Ben, je suis à la base moueur, mais on devient fondeur, on devient manœuvre, on fait beaucoup de choses dans le métier. Et c'est à force de persévérer dans notre métier, avec les différentes formes de modèles, de techniques au sable, qu'on essaye d'acquérir ce titre. Voilà. Est-ce que vous avez l'esprit de transmission aujourd'hui ? Oh, bien sûr, oui, oui. Mais, plus que en avaient les anciens, certains anciens. Mais les secrets, bon, on essaye de ne pas avoir de secrets. On essaye de faire continuer un petit peu notre moulage, notre technique, avec tous les jeunes qui essayent de vouloir apprendre et de persévérer, quoi. Est-ce qu'il y a de la demande aujourd'hui au niveau des jeunes ? Oui, moyennement, quoi. Ça devient un métier passion, alors. Oui, oui, bah oui, il faut vraiment être passionné, quoi. Alors, est-ce que vous allez me dire que c'est un métier à risque ? Disons que si on a un professeur et si on fait attention, normalement, ça se passe bien. Oui. Alors, ce matin, dites-moi un petit peu, si je voulais résumer, vous avez fait fondre du bronze. Oui, il est composé de cuivre, d'étain et de zinc. Donc, c'est nous, notre alliage. Il est 3% de zinc et d'étain. Et tout le reste, c'est du cuivre. Alors, vous avez monté en température à combien ce matin pour une pièce comme ça, il faut compter 1160 à peu près. 1160, 1170 au gros maximum. D'accord. Tout dépend en fait le volume. Là, ma foi, je vous remercie. C'était très intéressant. Je vous en prie. Correspond à la deuxième partie du moule.
On a donc cette pièce-là, le châssis supérieur vient d'être enlevé. Et puis on retrouve la pièce qui est supportée donc ici avec des supports de noyaux qui sont là. Hein. On aperçoit des alimentations qui sont encore ici. Voilà. Et puis tout le cheminement d'alimentation qui vient depuis la coulée ici. De cette pièce que j'ai appelée la pie. On va essayer d'enlever un petit peu toutes les parties qui sont noires pour bien montrer la totalité de la pièce. Voilà, on aperçoit la queue qui est là-bas. On aperçoit toutes les alimentations qui sont là. Alors c'est une pièce qui porte à ce niveau-là ici. Alors, vous voyez toutes les alimentations, c'est presque le poids de la pièce. Hein. Venir voir à l'intérieur, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Mais c'est une pièce qui est bien moulée. C'est un bronze 1 sur 8, celui-là. On commence à les barber à ce niveau-là. Et puis après, il faut la poncer totalement. Et puis là, hop là. Vous avez vu ? On entend, vous entendez là ? Ça veut dire que là, ça prend bien, la patine accroche bien. Si c'était plus chaud, ça prendrait pas, ça refuserait, la pièce refuserait la patine. Alors ça, c'est la première couche. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire après, il y en a plusieurs. Quatre couches. Donc il y aura quatre couches.